Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui il n'y aura pas de coloriage, il n'y aura pas de diamond painting, il n'y aura pas, bon, il n'y aura pas tout ça. C'est juste pour vous expliquer alors pourquoi je suis crevée. Voilà, vous avez remarqué hein, de toute façon, ça se voit à ma tête, ça se voit dans mes vidéos parce que de temps en temps je bâille, hein. J'essaye de cacher, j'essaye aussi de couper dans les montages de vidéos parce que je bâille et du coup au moment des montages, ben, je coupe et j'enlève les parties où je bâille pour pas que vous le voyez. Donc voilà. Alors certaines d'entre vous le savent déjà. C'est rien de grave. Il n'y a pas mort d'homme, hein, comme on dit. Mais bon, cette semaine, je suis allée voir mon endocrinologue. Enfin, mon endocrinologue. Un nouveau endocrinologue, voilà, qui est maintenant mon endocrinologue. Voilà. Bon, qu'il faut pincer pour qu'il sourie. Mais bon, c'est pas trop le problème. Ça a l'air d'être un bon médecin, c'est le principal. Donc, c'est au CH de Valenciennes, au centre hospitalier de Valenciennes. Mon médecin m'avait déjà fait faire des examens pour ma thyroïde. Voilà. Je suis suivie, enfin, j'étais très mal suivie pour ma thyroïde. Je prenais le médicament tous les jours, le Lévothyrox, comme beaucoup prennent. J'avais vu une endocrinologue, mais alors ça fait un moment, je crois, ça fait. La dernière fois que je l'ai vue, c'était en 2018. Si je me rappelle bien. À ce moment-là, elle m'avait fait une scintigraphie. Donc, on m'avait déjà trouvé des choses qui n'allaient pas trop bien, mais qui n'étaient pas graves. Que je pouvais continuer comme ça, mais bon. Elle m'avait pas donné de médicaments, rien. Et c'était mon médecin traitant à l'époque qui m'avait donné le Lévothyrox. Donc depuis, je n'avais jamais revu d'endocrinologue. Mais comme là, vous avez pu remarquer, je suis crevée de plus en plus. Je suis de plus en plus crevée. J'arrive à m'endormir, à dormir l'après-midi, alors que moi, les siestes, il n'y en était jamais question. J'arrive à m'endormir, enfin, à piquer du nez pendant que je fais du coloriage, pendant que je fais de la broderie, pendant que je fais du DP, voilà. Bon, quand je regarde la télé, là. Voilà, mais pendant que je fais du coloriage ou du DP ou de la broderie, donc j'ai les mains occupées, j'arrive à pouf, je pique du nez. Donc je me réveille aussitôt, mais j'arrive à m'endormir. Et donc mon médecin m'a fait faire une échographie de ma thyroïde, prise de sang. Donc la prise de sang n'était pas bonne parce que c'était très 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 bas le taux. Le taux était de 0,001. Donc voilà. Et donc là, l'endocrinologue m'a dit, bon, il va falloir que je refais une scintigraphie. Mais donc j'avais à l'échographie, la dernière échographie que j'ai faite. Donc, ils ont vu que la première scintigraphie et échographie que j'avais faite en 2018, ils avaient déjà vu que j'avais un petit goitre et des petits nodules.
mais vraiment rien de d'alarmant. Et là, le goitre, alors maintenant, comment ils disent, le goitre, la thyroïde et nodules toxiques. Voilà, tout a grossi. Les nodules sont de plus en plus nombreux. Il y en a beaucoup plus. Le goitre a grossi. Ma trachée s'est déviée à cause de ça. La thyroïde aussi. Il y a quelque chose, ça a bougé, je ne sais plus. Mais le goitre a grossi, les nodules, il y en a beaucoup plus. Voilà. Il faut m'opérer. Voilà. Donc, on va m'opérer. Bon, je ne sais pas encore la date. Je vous le dirai. Là, je dois refaire une scintigraphie. J'ai déjà refait la prise de sang pour l'opération. Je dois revoir un cardiologue. Parce que comme j'ai arrêté de fumer il n'y a pas longtemps, hein, j'ai arrêté de fumer le 20 mai. Donc je dois quand même voir un cardiologue. Parce que comme le médecin m'a dit, l'endocrinologue, malgré que j'ai arrêté il n'y a pas longtemps, je serai considérée comme non fumeuse, mais dans 3 ans. Voilà. Il faut attendre 3 ans pour que vraiment il n'y ait plus du tout de tabac dans mon cœur. Voilà. Donc il faut que j'aille voir le cardiologue, un état des lieux et la scintigraphie. Voilà. Et je vais être contactée donc par la chirurgienne. C'est une dame qui va m'opérer. Donc on va m'enlever tout ça. Et du coup, comme j'ai des fois des boules d'angoisse, le médecin me dit que ça vient de là aussi. Les boules d'angoisse peuvent venir de ça, justement, du fait que tout ça, ça a grossi là, à l'intérieur. Les douleurs que j'aurais à ma langue, qui arrivent des fois sans savoir pourquoi, quand elles arrivent sans aucune raison, le médecin me dit, ben, ça peut-être aussi une cause à effet. Donc peut-être que c'est le jeu, quand je serai opérée, mes douleurs à la langue vont disparaître en même temps, on verra. Donc ce serait bien. Donc voilà, je vais me faire opérer. Je ne sais pas encore quand, je vous le dirai. Mais bon, j'espère que du coup, cette opération va me redonner la pêche. Parce que là, je suis de plus en plus fatiguée. Et ça m'énerve. Voilà. Donc voilà, je voulais vous faire cette petite vidéo pour vous mettre au courant. Mais vous inquiétez pas, il n'y a rien de grave. Hein. Je vous donnerai des nouvelles au fur et à mesure. Et puis, le jour que je me ferai opérer, je vous donnerai des nouvelles aussi. Voilà. Je vais vous laisser pour aujourd'hui. Donc, il n'y a rien de grave. Moi, ça va. Je ne m'affole pas. Pour l'instant. Non, je ne m'affole pas. Je me suis jamais affolée pour les opérations ni rien. Je suis déjà passée par la case cancer, donc je ne me suis jamais affolée à cette époque-là. Donc je ne vais pas m'affoler pour une thyroïde et un goitre qu'on va me retirer. Donc voilà. Allez, je vous fais des gros bisous et vous inquiétez pas, je vous tiens au courant. Et je vous fais des gros bisous et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude avec plein de bonnes nouvelles. Allez, gros bisous, à bientôt!